Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a salué ce mardi 26 avril 2022 le leadership exceptionnel du président de la République. Le RHDP salue le leadership exceptionnel du président de la République, dont la qualité de la gouvernance et la pertinence des décisions et initiatives permettent à la Côte d'Ivoire de se maintenir dans une trajectoire constante de développement et de progrès social appréciée et saluée par tous à travers le monde, a souligné Kobenan Kwasi Adjoumani, porte-parole principale de ce parti dans une déclaration, ce mardi 26 avril 2022, dont copie a été transmise à l'infodrome.si. La qualité de cette gouvernance, il est important de le souligner, aura aussi permis à notre pays de limiter l'impact de certaines crises mondiales, sanitaires et sécuritaires, sur l'économie nationale et la vie des Ivoiriens, a-t-il soutenu. Aussi, le ministre Adjoumani a-t-il fait savoir que le RHDP réaffirme au président Alassane Ouattara son soutien indéfectible et entier dans toutes les initiatives qu'il lui plaira de prendre pour consolider la paix et la cohésion entre toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire d'une part, et accélérer la marche glorieuse du pays vers le développement et l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes, d'autre part. Le RHDP voudrait tout particulièrement remercier le président de la République pour le choix porté sur M. Kone Meliá Tiémoko, en tant que vice-président de la République. Une personnalité intègre, aux compétences reconnues et précédée d'une réputation et d'un parcours professionnel exceptionnel, a-t-il noté. Avant d'adresser ses chaleureuses félicitations au nouveau vice-président et lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions. Lire aussi Côte d'Ivoire, Albert Mabry Toikeus et l'UDPSI n'exclut pas un retour au RHDP. Le RHDP adresse ses vives félicitations au Premier ministre Patrick Atchi pour sa reconduction à la tête du gouvernement, une confirmation qui atteste de la bonne appréciation du travail accompli et de ses immenses qualités professionnelles. Le RHDP l'exhorte à toujours œuvrer avec plus d'engagement et de dévouement, conformément aux orientations du président de la République, Alassane Ouattara, pour la matérialisation concrète de son ambitieux programme, La Côte d'Ivoire solidaire, a recommandé le ministre Adjoumani.